Mes chers amis policiers et tous les Mauriciens, bonjour. Moi, c'est Constable Douki. Mon envie adresse mon ban camarade et ban Mauriciens un message très important. Ban camarade qui ont envie prend mon message en considération. Bien, merci beaucoup. Et d'autres, ceux qui pas d'accord avec mon message, je t'ignore. Dans l'histoire mauricienne, c'est le gouvernement MSM qui finit recrute plus beaucoup de policiers. Et on connaît d'ailleurs policier, c'est pas une misère qui rentre. Et l'indon policier, c'est une vraie valeur. D'ailleurs, l'étant l'Alliance Les Peuples, ils viennent au pouvoir, nous finissons gagner nos syndicats, nos cinq chiffres système, banque, plus beaucoup de policiers qui sont interdits par ancien commissaire de police, M. Rampassad, puis réinstaurés par ce gouvernement-là, et par M. Mario Nobel, nouveau commissaire de police. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire politique et je ne suis pas là pour dire qui parti politique besoin de voter le 7 novembre. Mais nous besoin de bien qui parti politique pour donner la police sur vraie valeur, qui parti politique pour prendre les policiers en considération. Non plus pour servir, comme dire, vous se laver, quand vous êtes en visio pour laver, vous êtes l'insalle, nous les deux. Nous prenons depuis l'année 2005 à 2014. Gouvernement travailliste, l'étude au pouvoir, banane faire développement. Mon pas dire non. Docteur Nabin Amoulam, il fait développement pour ce pays-là. Mais comment gouvernement l'Alliance des Peuples, il prend en 2015, sous leadership Sanirou Jagnat et M. Pravin Jagnat, nous finons trouve beaucoup de développement, tel que les autres finent augmentent pension, les enfants handicapés, si tu perds 15 ans, gagne pension, comment je tenais, on gagne pension, si tu as une santé entre l'île Maurice, et dans la cour une rangée, et dans l'hôpital une rangée, et dans le chemin partout, peut faire entier l'île Maurice, et dans la drain fouillée pour problème d'inondation. Nous, ce gouvernement-là, il fouille drain partout, à côté, ça, fond du sac, il fait beaucoup de développement. Ce gouvernement-là, il organise Jeux des îles, avec collaboration la police, tout ne passe bien. Pendant aucun incident fin arrivé, il fait les papes de Maurice pour bénir l'île Maurice. Voilà, Mauriciens, tous les Mauriciens peuvent vivre bien dans l'île Maurice. Nous pendant aucun problème qui, comment dire, qui peut aggraver dans l'île Maurice. Voilà. Moi, je vais faire un appel avec, le public mauricien et surtout mon ami camarade policier. Guette bien avant nous allons voter le 7 novembre. Moi, pour faire un appel qui bien redonne pour Pravin Jagnat un deuxième mandat pour qui il est capable de faire beaucoup plus mieux pour avancer l'île Maurice. Pour nos futures générations, reste bien, moi, je voudrais dire, donne pour Pravin Jagnat un deuxième mandat. Oui, je suis d'accord, Dr. Navin Ramgoyam, il y a une grande assemblée, mais pas oublier, Pravin Jagnat, il y a un homme de parole et un homme de principe. Je trouve un camarade adversaire peut mettre photo Madame Kobita Jagnat sur Facebook pour saluer l'image du Premier ministre. Mais pas oublier, Madame Kobita Jagnat n'est pas une pose candidat et n'est pas une faire personne du tout dans l'île Maurice. Moi, j'espérais qu'ils ont retiré sa photo qu'ils ont mis là. Les vraiment bien s'arrêtant pour un Premier ministre ou Madame, je vais saluer son image. Que ce soit qu'il ait fait, ça c'est son problème personnel. Ou pas qu'à mettre son Madame dans la politique quand il n'y a pas, aucun intérêt politique, sa Madame là, il n'y a pas fait politique, lui. Voilà. Moula, m'aurait fait un appel avec Jot, guette bien avant de voter le 7 novembre. Ça, c'est un droit civique. Moi, vous dire qui parti besoin de voter. Moi, vous dire votre parti qui pour God nous parvient haute. Surtout pour la police, parce que trop beaucoup de politiciens veulent devenir policiers. Voilà, c'est un message important que je peux envoyer pour tout mon camarade. Et m'aurait dit à mon camarade qui est d'accord avec mon message. Je prends ça en considération et ceux qui pas d'accord, je ignore ce message-là. Le 8 novembre, moi, j'espérais que Pravin Jagnat revienne Premier ministre de ce pays-là et pour n'a plus beaucoup de développement. Le projet métro léger, ça, c'était un projet pour Navin Ramgoyam. C'est moi, ce qu'il réalisait, c'est Pravin Jagnat. Réaliser qui comptait, pas projet qui, comment dire, ou imaginer qui vous fait, non, ce qu'il réalisait, ça qui nous comptait. Voilà, moi, c'est de tout, bonne chance. Et nous attendons le 8 novembre qui gouvernement l'Alliance EP reprend le gouvernement et nous gagnons meilleur l'île Maurice avec Pravin Jagnat. Vive Pravin, le 8, nous espérons que M. Pravin Jagnat revienne Premier ministre à l'île Maurice. Merci beaucoup.